Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui est donc sur les cracks. Et pour ce faire, je commence par appliquer ma base et une fois qu'elle est sèche, je vais appliquer une couche de vernis blanc et une autre de vernis noir. Il n'y a pas besoin de deux couches parce que les craquelures vont, être assez bien dispersées, donc vous n'aurez pas forcément besoin de mettre deux couches. Je vais vous montrer le crack noir de chez Essence sur mon vernis blanc. Donc il faut savoir que c'est un crack qui sèche ultra vite et qu'il faut mettre en petite quantité pour avoir des petites craquelures. Vous pouvez aussi en mettre en grosse quantité, mais vu qu'il sèche hyper vite, c'est un peu plus compliqué. Et mon crack blanc donc de chez Glam Up, je vais vous le montrer sur du noir. Et là, je vais le mettre en plus grosse couche vu qu'il sèche un peu moins vite. Et je vais vous le montrer pour vous faire vraiment l'effet grosse craquelure. Attention à toujours super bien fermer les flacons parce que c'est, comme je vous l'ai dit, des vernis qui sèchent quand même relativement vite et qui peuvent durcir si vous ne les fermez pas correctement. Moi personnellement, c'est une technique que j'aime beaucoup, donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye !